Boukoumel FM, dans un instant, le journal. Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles. FM en fréquence pour modulation dans 106.0 et maintenant à Boudanko. C'est l'heure du journal, donc voici les titres. Déficit d'enseignants dans la commune de Kolibantan, une situation qui inquiète les parents d'élèves. Couverture maladie universelle, certaines personnes du département de Koudump tardent jusque-là à se faire enrôler. Et pour changer la donne, ces jeunes amènent de la sensibilisation. Témoins sans salaire, les jeunes du Fera posent le ton pour réclamer leur dû. La page de sport va compléter cette présente édition d'information. Quels sont les titres? Nous passons au développement. Le journal avec Lamine Fati. Devant ce micro pour la présentation, Younous Baro s'occupe des machines. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Le déficit d'enseignants dans la commune de Kolibantan préoccupe le président du collectif des directeurs d'école de la dite collectivité territoriale. Selon Mamadou Fati, dans chaque école de leur commune, il y a au moins un gap de 3 voire 4 enseignants à combler. Et il invite les autorités éducatives de la zone à faire une discrimination positive pour Kolibantan dans le lot des nouveaux enseignants qui vont arriver. Nous, dans la zone de Kolibantan, nous avons certaines difficultés pour pouvoir mettre en œuvre certaines rubriques par rapport aux engagements. Je voudrais parler des heures qu'on doit réaliser en dehors des heures normales. Donc cet engagement a été pris comme quoi nous engageons, n'est-ce pas, à donner des heures supplémentaires, n'est-ce pas, aux enfants. Mais là où le bas blesse, au niveau de la zone de Kolibantan. D'abord, c'est une zone de départ. On a toujours affaire à des nouveaux enseignants. Toujours, il n'y a que des nouveaux enseignants qui arrivent. Donc, s'ils viennent, on est obligé, n'est-ce pas, avec la multiplicité des classes spéciales, on est obligé de leur donner deux classes à un nouveau. Imaginez, n'est-ce pas, un nouveau qui vient fraîchement, n'est-ce pas, d'arriver dans un établissement, qui commence à enseigner, vous lui remettez deux classes. Ça, c'est obligatoire parce que vous allez dans des écoles où il y a deux enseignants pour quatre cours. Là, ils sont obligés, n'est-ce pas, de prendre deux classes par enseignant. Donc, imaginez un enseignant qui doit faire des heures supplémentaires dans le cadre de son engagement envers l'État pour les classes spéciales. Encore, vous voulez, n'est-ce pas, dans le cadre du projet, encore augmenter d'autres heures. C'est pour ça que je dis que nous avons eu, n'est-ce pas, des difficultés par rapport, n'est-ce pas, à cet engagement. Donc, ça, les autorités, n'est-ce pas, vraiment à penser à l'axe de Kolibantan dans le cadre, n'est-ce pas, pour résorber le déficit d'enseignants. Donc, vraiment, cette année, nous avons enregistré pas mal de départs. Si je prends l'exemple de l'école élémentaire de Kolibantan, nous sommes aujourd'hui à 9 cours pour 4 enseignants. Vous allez à Sako, c'est 3 cours, 1 enseignant. Vous allez à Sar Alal, c'est 6 cours. Deux enseignants. Vous allez à Missira Bourbon, c'est 4 cours, 2 enseignants. C'est cette situation, n'est-ce pas, qui est en train de prévaloir au niveau du secteur. Les autorités quand même, académiques ont eu à faire beaucoup d'efforts. Chaque année, malgré le peu d'enseignants qu'ils reçoivent, quand même, ils essaient toujours de boucher, n'est-ce pas, ces trous. Mais jusqu'à présent, ça reste encore à faire du côté de l'État. L'antenne départementale de Goudomp de la couverture maladie universelle, CMU, continue de sensibiliser les populations à adhérer à la couverture maladie universelle. Son président a livré certains aspects de la CMU à notre reporter Younous Baro. Voici son reportage. Bénéficier des soins médicaux à moindre coût, c'est bien possible grâce à la couverture maladie universelle. Mais cela semble être ignoré par certaines populations qui traînent encore le pas à se faire enrôler. Pour les inciter à adhérer à cette initiative de l'État, l'antenne départementale de la CMU de Goudomp ne cesse de mener des activités de sensibilisation. Pape Magnan Soumaré est le directeur de la dite antenne. La couverture maladie universelle est un programme mis en place par l'État dans le cadre de la prise en charge des personnes les plus vulnérables, c'est-à-dire le secteur informel. Parce que comme le secteur formel, ils ont des prises en charge concernant la couverture maladie. Donc le secteur informel qui n'avait pas une couverture. Donc, c'est pourquoi l'État a mis en place ce programme pour ces gens-là, pour les prendre en charge et les diminuer les soins de santé. L'adhésion est volontaire, donc il faut que la personne ait la volonté d'adhérer à la mutuelle. Au début, il y avait une adhésion individuelle. Maintenant, l'adhésion est familiale.
faut que la personne vienne avec 1000 francs pour la région. Et la cotisation, c'est 3500 par personne. Maintenant, il faut au minimum 3 personnes pour pouvoir adhérer à la mutuelle. Parce qu'au début, on faisait une adhésion individuelle. Mais malheureusement, on a vu que ça affaiblit les mutuelles. D'habitude, les gens attendent de tomber malade pour venir adhérer. Maintenant, pour pouvoir faire face à cette charge financière, donc on est obligé de faire maintenant des adhésions familiales. Une fois adhéré, le bénéficiaire a accès à un large panier de soins médicaux. Il y a la CMLR aussi qui prend en charge les élèves. Là, c'est une affiliation de 1000 francs et l'État cotise pour eux à hauteur de 3500. Pour les classiques, ils cotisent 3500 et l'État cotise pour eux 3500, ce qui veut dire une cotisation totale de 7000 francs par année. Il y a aussi la CMU Dara, qui est comme la CMLR qui prend en charge les talibés, les Lomodara. Donc, elle aussi, c'est comme la CMLR, l'État cotise 3500 pour chaque individu et pour l'affiliation c'est 1000 francs. Il y a les cibles du programme ISMEA qui sont les femmes enceintes, les enfants de 0 à 5 ans et la césarienne. Donc là-bas l'adhésion c'est gratuit. Pour les femmes enceintes, la prise en charge c'est comme les classiques, c'est à hauteur de 80% au niveau des structures et les 20% sont supportés par le malade. Donc si c'est au niveau de la pharmacie, ça ne change pas, c'est 50% pour la mutuelle et 50% pour le malade. Maintenant, pour les enfants de 0 à 5 ans, tout ce qui est structure de santé, du poste de santé jusqu'à l'hôpital, là-bas c'est gratuit. Maintenant, c'est au niveau de la pharmacie où l'enfant paye 50% et la mutuelle paye les 50% autres. Donc, vous savez, comme j'ai dit tout à l'heure, les gens ici n'ont pas la culture d'assurance. Et d'habitude, ils attendent de tomber malade pour venir adhérer ou pour venir renouveler. Ce qui n'est pas en réalité la vraie sens de la mutualité. La mutualité, c'est l'effet de masse et la solidarité. Donc les gens qui ne sont pas malades cotisent pour soigner les gens et les gens qui sont malades. Maintenant, si la personne attend de tomber malade pour venir cotiser, ce qui veut dire qu'il vient pour consommer les ressources de la mutuelle et consommer les cotisations des autres personnes qui ne sont pas encore tombées malades. Ce qui veut dire que ces gens-là, s'ils tombent malades aujourd'hui ou demain, on aura du mal à les prendre en charge. Donc il faut que la population ait cette solidarité-là, cette mentalité de l'assurance et savoir que la personne peut cotiser aujourd'hui, demain, après-demain et ne pas tomber malade, mais pour avoir un parent qui tombe malade et à travers ses cotisations et les fonds qu'on collecte, on soigne ce parent-là. L'antenne départementale de la CMU de Goudompe qui travaille nuit et jour pour booster l'enrôlement des populations fait tout de même face à certaines difficultés. La CMU a démarré en 2017 ici, mais depuis lors on a senti une progression. L'adhésion est progressive dans le département. Maintenant on est dans les 50-60 000 bénéficiaires qui sont enrôlés. Mais jusqu'à présent, on juge que c'est un peu faible. Vous savez, la zone de Goudompe est une zone très enclavée. Donc, il y a peu de partenaires par rapport aux autres départements et aux autres régions. Donc, ici, la mutuelle ne fonctionne qu'avec ses propres moyens et les subventions de l'État, contrairement aux autres zones où ces gens-là ont des partenaires qui les soutiennent. Maintenant, ici, le problème, c'est le problème du gouvernement, parfois la sensibilisation et parfois l'appui des collectivités territoriales. Les populations du département de Goudompe qui ne se sont pas encore faites enrôler à la CMU sont donc invitées à le faire, car la maladie ne prévient pas. Merci beaucoup à Younous Barrow pour ce reportage. Les élections législatives anticipées se tiendront au Sénégal le 17 novembre prochain. C'est pour choisir les députés de la 15e législature dans la circonscription administrative de Goudompe. 130 lieux de vote ont été retenus pour loger 200 bureaux de vote. Un nombre d'électeurs s'élève à 113 092. C'est ce qui découle de la rencontre du comité électoral départemental de Goudompe. Écoutons à ce propos Baba Wilan, l'adjoint au préfet de Goudompe, qui invite par la même occasion les citoyens qui n'ont pas encore retiré leur carte d'électeur à aller le faire avant le jour du scrutin. Nous l'écoutons. Nous étions réunis en comité électoral pour discuter avec les acteurs plénipotentiaires, la CEDA, la société civile, entre autres, pour échanger avec eux sur deux points. Le premier point concernant des informations à partager avec eux, les acteurs qu'ils sont. Mais également, le deuxième point concernant particulièrement la campagne électorale que nous devons démarrer à partir du 27. Pour le premier point, c'était dans un premier temps partager sur la carte électorale
le nombre de bureaux de vote et le nombre de lieux de vote. Pour ce qui concerne le département, c'est 130 lieux de vote et pour les bureaux, c'est 200 bureaux de vote qui sont enregistrés. Donc pour spécifiquement la commune de Goudom, c'est 16 bureaux de vote répartis sur 4 lieux de vote, notamment école 1, école 2, école 3 et école Bindaba 1. Donc pour le nombre d'inscrits, quand même, le nombre d'électeurs qui sont sur le fichier pour le département, c'est 113 092. Pour tout le département, je dis bien. Maintenant, pour ce qui concerne la commune spécifiquement, c'est 7000 et plus cher concernant la commune de Goudom qui donne zéro. Donc, pour le deuxième point, c'était la distribution également, que nous avons la situation présentement des cartes qui sont en stock, qui sont encore, en tout cas, dans les commissions de distribution. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que les commissions ont été installés depuis le 12 et la distribution suit son cours. Donc vous allez dans les communes, les mairies, vous y trouverez quand même les commissions sur place et même dans les sous-préfectures et préfectures. Donc on lance un appel aux populations qui n'ont pas encore retiré leurs cartes, d'aller retirer les cartes pour pouvoir en tout cas voter le jour J. Ça c'était, en tout cas en termes d'informations, c'était ces informations qu'on voudrait vraiment partager avec les acteurs. Et maintenant pour la campagne, c'est rappeler les dispositions du code électoral, notamment la déclaration à 24 heures de l'événement, permettre à l'autorité de faire un arbitrage en cas de problème ou de site ou d'emplacement de là où l'activité doit se dérouler. Donc c'était en quelque sorte ces informations que nous avons voulu vraiment partager avec l'ensemble des acteurs pour quand même les sensibiliser afin que nous puissions avoir des élections apaisées. Donc, vous avez aussi évoqué le cas des recommandations, que vous pouvez revenir à résumer. Oui, les recommandations c'est d'inviter tout un chacun quand même d'avoir un esprit vraiment fédératif, comme on dit, hein, parce que nous sommes tous dans Goudom, de Goudompoa, comme on a l'habitude de le dire, hein, avoir de la responsabilité, et c'est ici, en tout cas, au-delà des mêlés, comme on dit. Parce que, en tout cas, nous, on n'a pas l'habitude de connaître des scènes de violence en période de campagne. En tout cas, c'est la recommandation principale, quand même, c'est d'inviter tous les acteurs, quand même, à faire vraiment beaucoup plus de responsabilité. Et vraiment éviter tout cas de violence que nous pouvons peut-être rencontrer dans les campagnes. Ça, vraiment, c'est la recommandation principale. Nous invitons quand même les acteurs politiques à plus de responsabilités, à dérouler la campagne correctement sans qu'il y ait vraiment aucun cas de violence enregistré, en tout cas à Goudom. En tout cas, ça, c'est vraiment notre souhait. Néanmoins, quand même, nous continuerons de veiller et de prendre les dispositions nécessaires quand même pour que vraiment aucun cas de violence ne puisse survenir, quoi. Vous écoutez les informations sur Poukoumel FM, la 106.0. Je vous le disais dans le titre, les agents du Fonds d'entretien routier autonome FERA de Sédhiou n'en peuvent plus supporter leurs conditions de traitement. Face à la presse, ils ont laissé entendre que cela fait plus de 6 mois qu'ils n'ont pas reçu leur salaire. Et ils interpellent le gouvernement pour qu'ils puissent entrer en possession de leur dû. Avant quoi, ils menacent de ranger leur matériel de nettoiement. Mamadou Biaye, le président du collectif des travailleurs du FERA, que voici à ce propos. En fait, nous sommes des gens du FERA qui se trouvent au ministère des infrastructures que dirige El Malik Ndiaye. Nous avons des problèmes de salaire pendant 6 mois. Au niveau départemental, d'autres n'ont pas de salaire. D'autres, jusqu'à 12 mois, n'ont pas de salaire. Et nous sommes des Sénégalais, on travaille, on rend service à notre nation. Nous devons être payés, nous devons être respectés comme d'autres citoyens sénégalais qui perçoivent leur salaire. Tout agent, tout travailleur de l'État, ou bien tout humain, s'il travaille, ce qu'il cherche après le travail, c'est d'avoir récolté des choux. Ces choux-là nous permettent de survivre, d'aider nos parents, d'aider nos voisins. Ces femmes derrière moi, ces braves femmes derrière moi, qui ont des enfants, nous sommes au moment de l'ouverture, qui peinent aujourd'hui de payer même de scolarité, des matériels géométriques, des matériels qui vont permettre à ces enfants-là d'aller à l'école, même aux côtés de l'habillement. Depuis 2017-2018, le FERA a commencé au Sénégal dans 3 communes. Encadrement, c'est Velingara, Yoff et Guédiouaï. Auparavant, si les subventions arrivent à terme, on attend 60 jours maximum pour le renouvellement de ces conventions-là. Aujourd'hui, nous sommes à 6 mois. Depuis juin, il n'y a pas de renouvellement de contrat au niveau national. Cela, on le déplore. Hein. Voilà, ce n'est pas normal parce que FERA compte aujourd'hui 26 000 agents. Ces 26 000 agents-là, il y a derrière ces 26 000 agents, ils sont dans des familles. En fait, l'État doit penser à ces derniers-là pour valoriser ces derniers-là que le gouvernement sortant l'a fait pour maintenir ce projet-là, pour créer un peu de l'emploi, aider sa population de sortir
à cette précarité de pauvreté qu'ils vivent. Oui, l'effectif au niveau de la commune de Sédiou, nous sommes à 102 agents. Au niveau départemental, nous sommes à 1000 et poussières. Alors concrètement, qu'est-ce que vous voulez dire au ministre? Parce que vous l'avez interpellé. Oui, moi personnellement, je lui ai fait une lettre administrative et je l'ai remis. Qu'il m'a répondu qu'il a reçu. Mais depuis lors, voilà, on n'a pas pu avoir une audience. Et ça, c'est pas normal. Voilà, tu peux avoir des gens à ce nombre de 26 000 agents qui t'interpellent pour pouvoir discuter avec toi et tu le refuses. Nous le déplorons. Nous demandons à son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye de revoir certains de ses ministères qui refusent de recevoir leurs concitoyens. Déjà, la ville est sale. Le constat est fait par les populations qui disent que ils ont constaté l'impact positif que le FERA apporte à cette citoyenneté et à la commune. Oui, on doit cesser le travail parce que ces derniers ne reçoivent pas de salaire. Maintenant, comment ils vont continuer à vivre? Ça peut créer ce qui n'est pas souhaitable. L'Office national de formation professionnelle ambitionne de former 1115 jeunes dans différents secteurs de l'agriculture en vue de leur permettre de s'investir dans des projets porteurs de croissance, a-t-on appris de son directeur général, Mohamedou Malamine Baralo. Le ministre de la formation professionnelle, Amadou Moustapha Ndiaksare, a présidé ce vendredi 25 octobre 2024 au CFPT SJU la cérémonie de remise des ordres de service à 200 formateurs vacataires nouvellement enrôlés par son département. C'est désormais ambassadeur de l'enseignement professionnel et technique, outillés par la direction des ressources humaines, sont aptes à jouer leur partition dans les nouvelles politiques de développement durable afin de construire ensemble un avenir où l'éducation et la formation seront des moteurs du projet social et économique. Nous passons au sport. Koukoumel FM, le journal des sports. En sport, l'équipe nationale U17 du Sénégal a peiné pour prendre le meilleur sur la Gambie 3-1 lors de sa deuxième sortie du tournoi UFAO-A de la catégorie. Les Lionceaux sont quand même qualifiés pour les demi-finales en tant que premier du groupe A et affronteront le second de la poule B. Les matchs se suivent et se rassemblent pour l'équipe nationale cadette du Sénégal lors du tournoi UFAO-A au stade Ladior de Thiès. Les Lions ont empoché leur second succès dans la compétition 2-1, battant la Gambie. Comme lors de la victoire face au Libéria 3-1 mardi, les joueurs de Papa Ibrahima Faye étaient partis de fort belle manière, mais l'arrivée fut dure, éprouvante face à des scorpions piquants. La qualification pour les demi-finales acquise comme premier du groupe, le Sénégal attend de connaître son futur adversaire. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, mais avant de vous quitter, le rappel des titres. Déficit d'enseignants dans la commune de Kolibantan, une situation qui inquiète les parents d'élèves. Couverture maladie universelle, certaines personnes du département de Goudamp tardent jusque-là à se faire enrôler et pour changer la donne, ces agents mènent la sensibilisation. Des mois sans salaire, les agents du FERA haussent le ton pour réclamer leur dû. Vous l'avez suivi dans ce journal. La page des sports a mis un terme à ce journal, mis en onde par Younous Barrow. À la présentation, c'était Lamine Fati. La rédaction vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, passez de très bons moments à l'écoute des meilleurs programmes de la 106.0 émettant à Goudamp. Et surtout, gardez l'écoute, la version mandingue, c'est tout de suite. Vous écoutez les programmes de la radio Poukoumel FM, émettant du Goudamp sur la 106.0. Nabeon sababu kitaminti Goudamp préfecture auto bi aramiso octobre karo til mois aninani wolonka comité électoral o benyoya foka tiase ke tunkunto mi yalanko wala tata toloro mafona wolon benyin député wote mum bayndo la teng mi yala nyanta soto la ni novembre karo bi tamin kanteng atil tan ani worawla woko la kunda jamal na reben mi yalanko wala marata toloro ke nyala na préfet ba abdou diop ay ni ne yitandiko député wote nyanta ke le mire ku balati kantuko nyanta min toloro ne département kan wala nyanta ke le ndalti assemblée to anada kibaro jamaa yitandi
votendro Kenya na école loluto anata ñi ne yitandiko ntel ñi departemento votendir dulal mulbije wotata kañang votendir dula keme anin tansaba wonim biro keme fla mi yalanko wala be saferin ay ñi ne yitandiko bureau de vote mul yalanko wala be gudon bu saté kono wotata kañang bureau de vote ani woro mi yalanko wala be janjanding votendir dula nanito école 1 ani école 2 école 3 ani bindaba 1 ay ñi ne yitandiko minu ñanta ka vote mil yalanko be saferin mo wi woro wala mo keme woro mo tansey ani mo fla minu yalanko wala be janjanding gudon département kan ay ñi ne yitandiko gudon bu communauté wotata kañang fo mo wi woro wala wala min be laari wo kan ala kuma fla njanto ay ñi ne yitandiko carte jamaabe laarin préfecture auto mi yalanko e mesika andum ngatañi wote mun kanteng molka so la carte ñin lala pour que voter bari ñi ne souté ko mo jamaabi je mi yalanko e mi la carte sika hansain wala na préfet bako abaka na fayla gudom département mum webe la molete la carte sika mi yalanko e mi la carte ta folo andum fanan ngatañi wote min kan je hakil tu ñonto minuta ta ka fituno bay andum kana kan fa dal fanan si andi na wote lu kono min sina mantoro si molma 106.0 Je suis Mamadou Fati, président de Kodeko Kolibantan. Donc, nous avons un projet qui est PAM 2, qui est un projet FANNAT. Au PAM 2, nous avons un engagement d'aller. Inspection et engagement d'aller, nous avons un maître formé, la communauté formée. Mais au niveau des enseignants, donc dans certaines zones comme la zone de Kolibantan, il y a un problème sur le monde. Il y a un problème sur parce que nous avons des enseignants Minkata ou des enseignants. Il y a des enseignants qui sont Mintata. Nous avons remplacé presque tout ça. Chaque année, aux situations les catégories. Donc, alors qu'on donne un engagement dans le projet, le café comme heureux d'ol, kafoulé d'ol, pour qu'elle ait le maquoy. Ça a déjà dit, mais trop nada. Moi, mi alors, gina n'y a affecté, gina n'a qu'à d'ol commencé. À ma expérience sur le crâne d'ol, gina n'a qu'à d'ol commencé. Les classes flottent d'un abonné. Au classe flot du niota, mais ça compte le carreau engagement budget mi alors, parce que il était ni molle mangena gila niola, était gien de gila au-delà de molle du heureux. Donc, ça a dit que quoi, le heureux respecté. Il n'a mouru quoi de gifana. Mais ça coule un projet final pas final gouvernier donc ok dans le budget collé à coudi pour nous un engagement respecté au final donc collibanta pour atteindre donc effectivement enseignant qu'au budget presque minkata ou le kasiya minkana ou bébé enclavement comme on y a le nyami donc il y a un exemple dans l'école élémentaire de collibanta bi classe qu'on a le budget maintenant nani monsieur nani classe qu'on a donc il s'agit de situation qu'on a ni tara sara alal toujours au commun de collibanta classe ou oro monsieur fula Et à la Missira Boulbon, classe Nani Moussefoula. Et à la Sako, classe Mède Killing, classe Saba. Donc, aux situations, les communes. Donc, il faut que je sois inspecteur de l'IAKATA. Parce que chaque année, Nikota Sotota, nous avons un camion Soto. Voilà que si on a un peu de temps, il y a toujours une situation, une solution du B pour l'axe de Kolibanta. Vraiment, il y a des gens qui ont été suppléants pour le faire. Il y a des suppléants pour le faire. Nous voulons faire ça. Il y a des gens qui ont été suppléants pour le faire. Donc, il y a des gens qui ont été suppléants pour le faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. 106.0 Je suis à Tarodja, je suis à Wilindi, je suis au Sénégal Bay. Ani banko lumba ndala banko ka foy ko ntel de ba projet mun de ka fo le fera mul marta ka silol ke topoto ke fita ay senya pour banko mol so silol isa utiliser nimala bari woko no si ta le car jamal mun yalon ko ma mom mul jo woko no natna jibe fam fane ben na kumul fo banko molier mu yalon ko yat na ko mako do ko balé ak bi ma ñun jaamu ko no ja Sénégal département bi ja Il faut que je me dise pour que je me dise que je suis ministre de Carola, je suis le Sénégal, je suis le Sénégal, je suis le Sénégal. Je suis le Sénégal, 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 je bi bo batalo ko no djol budget di mal fond yi meddu no école parce que ma fourniture scolaire fond ba mu sané diwul ye ma frais d'inscription fané meddu no kon ba fa lo mancé a salon ko ni mu banko diwul le mu yalon ko c'est tarno ko ko no man ñana tar mu ko no bar yo bebulale pour banko faasa kama yi be do ko kan e ke taral bo pour que banko faasa pour ñenté respecter la comme ñi do respecter ñami wala mu siloti wala mu banko faasa tam be kanen bi pour banko stano ñakara banku nyaawu banku te gamul ka sinan di wolle ba kam faari wolle ba kam faari ma son ke djou e fana wadni wadi kana do ko la bar ñu wadi ko école filayel da
Il faut que les gens soient les plus proches du pays. Mais il faut que les gens soient les plus proches du pays. Il faut que les gens soient les plus proches du pays. Il faut que les gens soient les plus proches du pays. Il faut que les gens soient les plus proches du pays. Il faut que les gens soient les plus proches du pays. Il faut que les gens soient les plus proches du pays. Il faut que les gens soient les plus proches du pays. Il faut que les gens soient les plus proches du pays. Il faut que les gens soient les plus proches du pays. Il faut que les gens soient les plus proches du pays. Il faut que les gens soient les plus proches du pays. Il faut que les gens soient les plus proches du pays. Il faut que les gens soient les plus proches du pays. Il faut que les gens soient les plus proches du pays. Il faut que les gens soient les plus proches du pays. Il faut que les gens soient les plus proches du pays. Il faut que les gens soient les plus proches du pays. Il faut que les gens soient les plus proches du pays. Il faut que les gens soient les plus proches du